Gros nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doit compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Yo ex colombien, parmi mes scénarios, la police te mette en bas code par les bails des CPJ. Sous assassinat président Jovenel Moïse là. Et ça qui grave, c'est que version parle là différent par rapport à tout l'autre qui parlait déjà. Mais Séné a déclaré 72 ans après assassinat, c'est une femme qui dans l'âge 56 à 60 ans qui t'apprend responsable pays. Mais qui femme ça? Eh bien, nous pral fouiller zone en Kalalou, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour nous connaître qui est lié à tout détail. J'en ai tout te connel, hier, Martine Moïse, ak toi petit Lio, te rend hommage, ensemble avec président, pour bien dire Maril Papayo, qui te président pays, Jovenel Moïse. Pendant cérémonie, ça t'a déroulé, gué dégo action qui passait, ou mesdames, mademoiselles et messieurs. Eh bien, restez là, m'pral l'expliquer ou. Moi invité ou rale tiches ba ou chita confortablement. Fouko, zami, et faut pas ou rentre la kayou mbral ba ou tout tripota isa yo. Nan bon timamite. Bonjour, bonsoir tout moun, kouman nou ye. Encore une fois, m'abdou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou ak patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait un plaisir en pile en pile. Encore une fois, sou fait tombe sous channel là. Pas hésiter à activer cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. Ses amis, pas ou Foucault. Bon, on nous démarre. Parole yon pas changé. Gen mersenè qui fait quoi yon pas de vin pour touye. Yon l'autre équipe fait comprendre yon te vini pour assassiner tout le monde qui n'a qu'à y président. Eh bien, version pas ex-militaire, ça, m'pral l'expliquer ou là, différent par rapport avec ça qui t'est passé déjà. Mersenè a commencé comme ça. Mission ou te genye, c'est pour capturer, arrêter, j'en te capable de dire, président, après, pour yon remplacer par une femme. Le ou fin pour président, yon pralé ensemble avec dans le palais national, et dans le palais national, a déjà gagné un diamant. Donc, yon mette diamant, c'est une façon de parler, parce que vous connaît quand même, les gagné une opération, gede nou yon pap cité, gede détail yon pap ba ou même qui en dedans opération. Et bien, mersenè a fait comprendre que c'est ton diamant. Yon te fait ou konnen que yon vin mette président 72 ans après yon fin arrêté Jovenel Moïse. Yon tap mette femme sa nan tête pays et yon tap nommé le président pays d'Haïti. Yon tap ge comme responsabilité pour yon sécuriser, c'est ça mersenè a déclaré. Fil conducteur réseau criminel pour assassiner président, c'était Christian Emmanuel Sanon, qui était chef de fil, yon cerveau principal, promoteur tout événement yo. Mais kounya la, version pas ex-militaire ça conduit nous dans une autre hypothèse. Femme ça qui rele diamant là, eh bien enquêté au konel, c'est une femme qui dans l'âge 55 à 60 ans. C'est mersenè Germain Alejandro ak Alberto Carmona qui fait témoignage ça. Document fait qu'on est dans la nuit qui était 6 juillet, Duberney Capator qui mourit dans échange coup de balle avec la police, te informé groupe Delta que au doit tuer tout monde qui dans caille là. Capator qui c'est un ex-militaire colombien, Capator lui-même qui c'est un ex-militaire colombien. Qui responsable plan te recevoir l'autre ça 3 jours avant assassinat. Groupe qui rele Delta te gagné 5 garçons là-dedans qui t'a marché sous l'ordre commandant Capador ak l'autre ça qui t'est entré dans chambre président. Yo possible pour faire connait selon témoignage Garcia ensemble avec Capador, c'est pas tap ni Christian ni John Joel Joseph à travers opération que aurait les jitoa qui t'apprale vin président mais au contraire pouvoir t'apprale nan men yon femme. Donc là mesdames mademoiselles et messieurs nèg yo vire bagay la nan men nou. Oui yo vire bagay la nan men nou parce que tout moun n'a douté sou yo, nous pensons c'est sou yo a privé et puis temps en temps gon déviation k'ap fait.
Gon l'autre côté causé a mené nous. Mais qu'on y a là, gon dossier diamant, gon dossier femme, c'est lui qui t'a pral président 72 ans après, c'est femme ça qui t'a pral diriger toute Haïti et au tap là pour sécuriser femme. Donc c'est après qu'on y a là, y a expliqué ti bagay ça dans des CPJ. Chaque yo prend youn, yo fait le parler et bien li ba yon version différent. Et la police même vient laguer la gauche, la droite, li devant, li derrière, la prend marcher chercher nèg. C'est quoi l'histoire? Et bien mesdames, mademoiselles et messieurs, pour la police, principal rôle yo nan moment et ou bien j'aime te capable dire ça qui priorité yo nan moment, c'est qu'on est qui est qui diamant là, qui rôle li te jouer nan assassinat président. Et il y a plusieurs hypothèses qui analysent. Yon fiti éventuelle transition pouvoir ak docteur Christian ou bien monsieur Tejis a fait couverti pour diamant ça. Toujours dans journal là, eh bien, Rivella ak Carmona déclare Kapadol te gen yon sous direct nan kay président kap informe chaque activité chef l'état. Est-ce qu'on tande de cause? Ça veut dire Kapadol la, sous ça te administré par Joseph Félix Badio qui te fait partie de gouvernement et yon commission renseignement dans pays a et jusqu'à présent la police a cherché monsieur pour kokon si l'en l'est si la té donc la avis de recherche lancé derrière pour vinn bay détail est-ce qu'on comprend nos bagages ça veut dire en même temps monsieur yo là yo préparé pour assassiner président gay yon moun ki tout en dedans kay président selon déclaration de mercenaire que Kapadol lui-même qui était en connexion directe ensemble avec Joseph Félix Badio. Eh bien ça qui passait, il y a un monde kay président qui nan saint président kap dit tout détail, kap dit mercenaire tout détail, les présidents sorti, les présidents entré, qui ça l'a fait, il informé de A à Z. On connaît des fois complot a fait, gay moun qui connaît mais qui pas ka dit ça, qui pas ka dan rien. Et la bagaille la compte grave là, oui. Et ceci, comment t'es qu'à comprendre pour travailler kay président et puis c'est une situation qu'on se trahit? Policier ou tout? Moun qui t'a suivi président? Adje, y'a des bagailles franchement qui passent dans la vie ou conscience ou pour le reprocher chaque jour. Eh bien, capitaine Axel Jean qui continue par les détails, déclaré, instruction te ba yo pour nuit là, c'était capturer président et puis menel dans palais. Lè ou rive kay président, ça yo fait, yo désactivé système de télévision yo en circuit fermé et yo cherché des valises qui te gen l'argent pour yo te capable séparer entre yo. Selon ça que yo rapporté, Kapadol c'est lui qui mouria. Te assuré yo toute opération a bien passé. Et ap gen yon satellite kap sou tèt yo. El fè ou konnen yon moun ki pa aksepte fè sal di yo fè ya ou bien ki ta choisi renonse ki di ah mbay vague a opération l'ap sori pou ou l'ap tou yo. Et l'autre plein ou te genyen si yo échoué yo ap antre yo al refije yo ki kote souple nan ambassade Taïwan nan. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, nous ouais, yo te fait ça. Et c'est là la police lui-même te localisé. Kapadol lui-même te essayé négocier ak autorité yo pour expliquer ça qui passé. Entre 6 à 8 nan matin et c'est là Kapadol premier sergent Mauricio Janvier Romeo Medida yo tout de yo mouri. C'est Pran Rivera qui vin di groupe là que deux chefs yo mouri. Avè yo te soumet ak autorité yo, rapport a attiré attention tout moun. Témoin yo déclaré, l'amon l'autre soldat qui c'est Miguel Garçon, c'est pas accident monsieur mouri. Donc c'est pendant que li confuse, l'a couri, donc yo a fond Jean pour yo entre ambassade là et puis s'entendé a, zam qui t'est nan men l'on connaît. Zam yo tout activé puis par manque de précaution, li prend un balle nan thorax ak même zam ça qui t'est tout nan men. Ma konn c'est madichon qui t'est nan men, qui t'est derrière nèg yo. Comme yo t'est payé yo pour yo capable mener opération ça, Carmona ak Rivera expliqué tout commandant unité yo lieutenant ak colonel yo a touché $3,000 par mois
pour assurer sécurité présidente là qui a pour venir. C'est Jean Carmona t'a pral touché 2900. Commandant équipe là premier sergent adjoint t'a pral touché 2800 par mois. Et reste équipe là t'a touché 2700. Quant à pour Capador, ça qui mouria à Rivella, yo t'a pral touché $12,000 yo chaque parce que c'est au même qui était chef militaire yo et c'est au même qui t'a passé l'ordre. Et soldats yo continuer au témoigner pour faire comprendre. Yo voyager dans pays a plusieurs fois pour faire préparation. Capador à Rivella, t'es même fait l'autre yo comprendre que yo fait partie de compagnie sécurité privée Emmanuel Sanon qui candidat à la présidence. Ou tande? Emmanuel Sanon candidat à la présidence. Et principal objectif li c'est réformer programme travail là, renforcer la police ak l'armée, bay founiti ak service de base nan communauté yo ak service soins médical. Donc ça c'est programme Emmanuel qui t'a pral président. Bon, me reprend pour nous. Programme ni c'était renforcer la police ak l'armée et puis tout bay founiti ak service de base nan communauté yo ak service soins médical. Ça te projet Emmanuel Sanon qui se candidat à la présidence Maroun ki kote. Par conséquent, ap gen 20 mercenaires colombiens kap la pour assurer force élite sécurité président. Et idée c'était immédiatement Sanon vin président effectif mercenaires yo ap changé. Groupe la ap vin atteint à 400 garçons. Avè di nan tout coin pays ya pas gen moun ki capable passer pense ou pral touche à ça nous ou pas t'ap ka coller ensemble avec parce qu'elle t'ap tellement gen mécène, il t'ap tellement gen commando, il t'ap tellement gen gros nèg ensemble avec tout moun t'ap camper loin. Et ceci j'en ap gade plan j'en mécène yo ap expliquer nous hein, n'a posé tête nous question est-ce que c'est vrai plan ça parce que chaque yo vini yo chaque ba en version donc yo met la police nan kouri. Et côté bagay la grave, c'est que document ça présenté Rivera ak Pretel, c'est deux représentants société sécurité CTU qui chita nan Miami. Pretel li même FBI tap cherché le déjà, ça veut dire son moun ki déjà en a fait. Et li engagé Rivera pour le coordonner service groupe là et pour le contacter chaque militaire qui spécialisé, qui gen force et qui capable mener un bon combat. Tout soldat yo pas entré un seul coup dans pays d'Haïti. Gen Capador sa ki mouria. Rivella ensemble avec Ronaldo, moun sa yo te voyager 6 mai. Yo passé Bogota, Panama, République Dominicaine et yo fait 10 jours. Plus pour moun pa ka retracer yo rapide parce que lorsoti Bogota ou prend Panama ou prend République Dominicaine après ça pour venir tomber dans pays d'Haïti. Donc des frontières en frontières plusieurs côtés ou pas venir côté à direct. Donc si que la police a fait enquête, si a fait recherche, donc ou ba au travail pour faire passer. Lorsqu'on Bogota, faut que yo al garder sorti passer fait Panama. Faut que yo vienne garder sorti faire République Dominicaine après ça pour yo tomber dans Haïti. Ça veut dire pour al retracer op tellement prend temps mais si yo konn sa yo faire. Et reste groupe là arrivé en République Dominicaine 4 après yo entré en Haïti. Donc pas gen yon ki vin en Haïti direct, gen ki sorti dans pays côté yo ya yo tomber ce domaine après ça yo entré dans pays d'Haïti. Et yo passé dans frontière Elias Pina. Entendez bien qui font c'est au passé oui, yo passé dans frontière Elias Pina. Et ça nèg yo tellement fort, nèg yo tellement gè technique, yo pas voyager dans même bis pour personne pas comprendre yo. Ça veut dire que youn on quantité pour premier bis, on quantité pour deuxième bis, on quantité pour troisième bis parce que si que yo mou tout monde en seul bis, on paquet soldats, on paquet colombien qui va rentrer dans pays. Franchement, les a passé dans douane là, yo suspect yo. Donc en ce sens, yo ki ton premier groupe passé, yo ki ton deuxième groupe passé et après ça, yo ki ton troisième groupe passé. Est-ce qu'on comprend ça messieurs ou fait? Donc c'est un complot qui bien monté, son bagay qui bien manigancé avec des moun qui gen gros technique,
moun ki fè l'armée déjà ki konn comment plan bataille konn monter. Donc c'est comme ça monsieur yo organisé yo, et ceci sans aide divers haïtiens policiers nèg ki nan gouvernement nèg ki gen l'argent. Eh bien, opération ça pas ta possible parce que yo dépensé divers l'argent avant que yo rive là. Et question m'a posé tête moi, est-ce que yo te geta bay mesene ou paye ou kob ki te bay fami yo quand même yo ki ton si bagay nan men fami yo avant que yo rive là. Et ceci yo vini là, franchement, m'ta gade un journaliste colombien ka plein. Li son colombienne mais elle gen des passeports. Un passeport espagnol, un passeport colombien. À chaque fois qu'on croise ensemble avec elle, obligé bay passeport espagnol là, pas bay sa colombien pour éviter catastrophe parce que monsieur on en prison, yo pas bay accès téléphone pour que yo parler ensemble avec famille, c'est ça le fait comprendre, mais yo pas mal traité. Donc mais monsieur pas gen accès pour parler ensemble avec famille, yo pas gen accès pour prendre avocat et ceci famille vraiment désespéré. C'est pas qu'il quitte risou pour quitter pays ou pour quitter la caillou, non qui soit vienne participer ou pas de connais, au poisson vienne croquer dans gorge ou tout ou vienne participer dans touyer président. Kounya là, mon besoin entre la caillou, j'en la caillou nice, j'en prison la caillou clean et puis kounya là pour c'est comme ça pour que ou vienne dans prison dans l'autre pays. Au même temps qu'à comprendre ou t'es qu'à venir dans pays ya, ça qu'arrivé c'est passeport qui expiré, ça qu'arrivé c'est checker ou a checker pour ou. Ou pour anti prison mais crime ou vinn fò sorti non l'autre pays ou vinn participer non crime garde nan ki sa yo meto. Et le pire, tout gros chef, tout haïtien qui impliqué yo, yo pa presque kembe yo, nèg ki te chef de file la badio yo pa kembe l'embarrage ya. Et pour même ou style chita nan prison ou ap réfléchi ou ap meg parce qu'ou pa konn vive moment sa ou déjà nan la vou ou pa katande fami ou pa konn sa pou fè. Ache! Et bagay ki di oui, lè ke wap vin fon pou opération, ou akon ki kote wap mene. Et ceci, sa ki mouri a déclaré ou pa ka renonse, déjà ge satellite ki sou tête nou, map tout éliminer nou, pa ge jouet nan bagay la. Et là, monsieur rive en Haïti, pa bli ete gon premier groupe ki te rive, eh bien, rive la li même, ensemble ap Carmona, yo te séjourné yo nan yon hôtel ki tout près ambassade Almay la. Yo fè yon semaine là-dedans et puis après yo vinn déménager yo al rete non kay ki tout près bureau sa non. Côté ça Joseph HK était toujours présent et elle a vini li toujours chargé policier ensemble avec donc sûrement policier ça ou connaît quoi. Donc la police li même a bousqué monsieur dans moment tout. Et yo fait quoi? C'est monsieur ça qui était bay cob pour faire colombien yo entrer dans pays ya, ça veut dire lui même gérer dossier ti finance là. Et ceci mesdames mademoiselles et messieurs, HK ça joue un gros rôle dans opération ça parce que lui même li t'a responsable KEP. Autant de décauser, li t'a pral gérer coordination électorale pour ça non. Qui t'a sécurisé par un groupe colombien et divers moun témoigné fait connait que Capadol ensemble avec Livera yo même ça ou t'a pral fait yo t'a yo t'est toujours dans caïsa caï qui tout près bureau ça non hein? Yo a surveiller ça non yo a bali sécurité en attendant pour Interpol après que Messene sa fin bay détail eh bien Rivera ensemble avec Germain yo joué un gros rôle et yo té au courant de tout ça qui pral passé. Objectif la police nan moment là, c'est localiser. Youn nan gros chef yo jusqu'à présent, yo poko ka joindre qui c'est un colombien qui relé Mario Antonio Palacios Palacios avec pour konnen qui est qui diamant là. Qui femme ça qui t'a pral remplacer Jovenel? Qui femme ça après 72 ans qui t'a pral président pays d'Haïti? Ça li important pour nous connaître. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça, c'est version par yon l'autre mercenaire qui baille détail de opération, qui ça te connaît, qui ça te apprend, qui ça t'a fait. Donc, t'es gen plusieurs groupes, et après assassinat président, toutefois, tout bagay bien passé, eh bien, t'as pral gen yon groupe de 400 colombiens qui t'a envahi pays pour venir sécuriser président, qui t'a pral sécuriser compé Christian. Mais bien compté mal calculé, c'est vrai que Jovenel mourit, mais malheureusement,
ça pas arrivé fait. Au contraire, monsieur Sayo, c'est dans prison yo ali. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, Jean que m'était annoncé nous hier, nous connaît que Martine Moïse ensemble avec trois petites lio qui c'est Junior Jovenel Moïse, Joverlin Moïse ensemble avec Jormali Moïse, te bel et bien nan mupa na yo tal rend hommage avec papa yo. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est avec un pile tristesse oui avec de l'eau nanje. Ou konnen nan pays d'Haïti gen Katim, gen USP, gen USGPN, gen SWAT, gon paquet gros force, gon paquet gros équipe moun ki la pou bay sécurité ki prend gros formation. Mais là ap gade Martine kap mache, gen yon gros sécurité devant, gon sécurité derrière, gen yon sou côté, gen trois petites li yo, gen deux derrière, yon sou côté encore. Donc ça son humiliation, yon gros humiliation, ça veut dire personne pas touché, pas approché, pas gen lanmen, pas gen même, c'est campé loin, prend distance ou. Donc c'est pour me faire nous comprendre que tout moun sa yo la, yo pa iti lan yen. Tout bon chef sa yo ki la, yo ba iti lan yon sou ekip bon traite. Donc, nou wè nan ki niveau que la police la arrive, tombe plat à terre, rabaisse ou. Ça veut dire, au sein de la police, pa gon ekip ke yo ka fè confiance pou yo konfye Martine, pa ge bagay kon sa, non? Et ceci wap gade, messieurs, yo vraiment sensible à la gâchette. Yo sensible à la gâchette. Ou ap gade youn ka on jile pa bal ki telman gen ki chaje zam la de map made eske l pral nan la gen. Et ceci monsieur Olinet nan zye yo pa nan pale, donc se passe gade pi chita et pi fè photo al fè ou tout. Map gade on photo et kote Mateli kwaze ensemble avec Martine pou l'ap gade Martine nan jem baka chè dou gen pil bagay ki travesse nan photo sa. Map vina plis detay pou. Mais, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça son honte, mes amis. Pour que nos pays de la police gen moun ki pou sécuriser et puis pour son équipe étrangère kap sécuriser yon ancien madame président à cause que mari le victime c'est yon message que l'elle voye ba nou li di mis m pa ka fè nou confiance si que mari nou tap sécuriser nou yon pa ganyen et puis la rive mouri nan situation pareil m pa ka fè nou confiance. Et le pire, mesdames, mademoiselles et messieurs, même chauffeur qui conduit machine dans Haïtien, non? Même chauffeur qui conduit machine dans Haïtien, avait dit pas pense au pral faire coup là même. La vie Martine Moïse pas dépend d'Haïtien, même pas dépend de la police du tout. T'allé là, ou t'en de wal pren kati, même j'en bagay la te, ya wal mette dans machine, et puis sortant de là, yo fait chime crochant sans bavon, ou mourir tout. Donc, Martine li même li saute l'autre boa, li vin à toute chaise li. Li pa vin pran place personne. Li vin avec toute sécurité. Mais kounya la question ka pose, est-ce que après enterrement Martine Moïse a obligé pran ti avion à toute famille pour l'aller nan pays à l'étranger parce que monsieur Sayo pa ka rete ensemble avec pour tout temps. Donc nous pa jam konnen tout qui dit li te fait ensemble avec yo depuis l'autre boa. Comme étant donné enterrement poko fait, n'a prêté suivre pour nous connait comment ça à pied. Est-ce que après enterrement, monsieur Sayo, gros soldat Sayo, a style toujours à accompagner Martine. Mais de toute façon, n'a fait place à Voix d'Amérique Presse, information nationale et internationale. N'a tourné dans un petit temps qui pas trop long. Nous connaissons l'assassinat du président Jovenel Moïse toujours dans tête actualité, surtout avec préparatif qu'a fait pour funérailles nationales qu'a gain pour dérouler vendredi 23 juillet cap vini là plusieurs côtés a fait un pile activité notamment gain ambassade pays d'Haïti dans Washington qu'a organisé yon veillée asoya et préparatif yo focus ça c'est sous cap haïtien deuxième ville pays qui a accueilli funérailles nationales président jodi a mairie ville là té ouvri yon registre condoléances autorité municipale yo même té rencontré ak la presse pour déplorer moyen que yo pa gagne pour faire face à responsabilité yo. Dans si constance ça, nous gen sou place nan cap haïtien correspondant nous Yvan Martin Jasmin. Dans le cadre de préparation activité pour funérailles nationales, chef d'État haïtien assassiné Jovenel Moïse, mairie cap haïtien l'ouvrit jeudi mercredi 21 juillet 2021, qui enregistre pour permettre au monde de la population à signer condoléances à famille ancien président haïtien Jovenel Moïse. Dans l'occasion tout, mairie cap haïtien débaille au point de presse. Côté responsable municipal, fait qu'on est aux difficultés moyens.
mais yo pas qu'à réaliser de grandes activités dans le cap haïtien, surtout dans l'infrastructure, dans le nettoyage, etc. Dans ce sens, nous demandons support aux populations, non seulement aux populations capables d'aider et accompagner en pile monde capable présent dans la deuxième ville pays, dans l'occasion funéraire ici d'ailleurs, mais toute une population capable de contribuer de façon pâle pour permettre que les cap haïtiens présentent un très très bon visage dans l'occasion funéraire. En côté yon après l'autre, maïsia cap haïtien Yves Pierre avec maïsia adjoint Esaü Lefranc dans le micro service créole La Voix de l'Amérique. Mais il n'y a jamais eu un centime dans le même et pas jamais eu un matériel qui entrait au cas parce que le matériel de l'IAGN n'y a pas suffi pour nettoyer la ville. Et nous connaissons TPC lui-même tous, il y a 40 matériels, pas de gaz, c'est de temps en temps qu'on n'a pas ni SMDRS ni TPC gaz, on façon pour permettre pour moi comment nous devons assainir la ville. Mais il n'y a pas ici. Toujours des problèmes matériels quand tout le monde connaît. Des matériels qui en panne, nous sommes obligés à faire moyen pour nous ranger dans. Nous avons un problème de gaz. Gaz n'a pas facile pour nous. Premièrement, mais il y a doué. Deuxièmement, fournisseur, tout c'est un compte-goutte pour nous bailler, pour vendre les gars de gaz. C'est comme ça que nous avons pris avant pile. C'est jusqu'à hier après-midi. Bien tard, mais lui qui a pas essayé de jouer anti-camion. Il y a l'autre activité qui encore a planifié dans la deuxième ville pays qui a paré pour recevoir le monde entier journée vendredi 23 juillet 2021 dans l'occasion funéraille nationale chef d'État haïtien assassiné le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse. Yvan-Martin Jasmin pour La Voix de l'Amérique, Cap Haïtien. Merci Yvan. Pendant ce temps, il y a une activité qui continue dans l'habitation Baudin, côté que président Jovenel Moïse a bien pour enterrer dans l'habitation ça. Et n'a prêté toujours dans le Cap-Haïtien pour nous parler de sécurité dans l'occasion funéraire là. Correspondant nous, Yvan Martin Jasmin, a parlé avec porte-parole police nationale là, inspecteur Harold Jean, qui fait qu'on ait l'autre unité, l'autre policier qui a sorti l'autre côté pour venir porter concours dans l'occasion funéraire nationale défunt président Jovenel Moïse. Après le funérailles, l'ancien président Jovenel Moïse qui a fait 23 juillet à Bunia, et direction départementale Nord, PNHA, a annoncé que toute disposition déjà prise pour tout bagage bien passé sous plan sécurité. Donc avant, on a dit depuis annonce de mort, et direction départementale là, a déjà pris un train de mesures pour assurer nous que le monde est capable de continuer à vaquer librement à l'occupation et aussi assurer la sécurité des business surtout en plus dans le département. Donc pour qu'on est là, il y a déjà un plan de sécurité qui est établi pour funérailles avec tout événement qui a entouré le lieu. Et donc selon le plan de sécurité, ça, nous avons des policiers qui ont venu de plusieurs départements et qui pourrait venir renforcer la police dans la ville de Cap-Haïtien et dans le cadre de mesures spéciales que nous prenons pour assurer la sécurité funéraire là avec l'événement qui est. Donc c'était porte-parole police nationale dans le nord pays d'Haïti, inspecteur Harold Jean. Nous connaissons que chaque gain gros attroupement, il faut nous demander moun pour prendre précaution parce que il est bon que nous respections toutes les mesures, conseils, consignes que l'autorité sanitaire mette devant nous parce que ma sou protège, ma soin protège. Autour sur La Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC, ou à suivre rendez-vous. Info hier, c'était une cérémonie hommage et témoignage dans Mupana. Et dans la même occasion, tout, c'était une installation, dans la même journée, c'était une installation nouveau gouvernement et avec le Premier ministre Ariel Henry, qui l'a même précisé, une priorité et gouvernement, c'est rebailler la population confiance. Et puis rétablir l'ordre et la sécurité pour organiser bon gens élections dans le pays. Yon correspondance Yves Manuel depuis Port-au-Prince.
Dans une cérémonie qui organisait Journée Madian dans Primati, qui trouvait sur boulevard Ritrouman, cité exposition, dans présence aux fonctionnaires l'État, personnalités dans la société civile, classe politique, au commandement police nationale, au état-major l'armée, Dr. Ariel Henry prend fonction pour capable mener dessiner pays après assassinat président Jovenel Moïse. Il remplace Claude Joseph qui intégrait le cabinet là comme ministre affaires étrangères. Dans discours circonstance li, M. Henry relate conversation te gagné dans temps passé avec Jovenel Moïse. Au cours des nombreuses conversations que j'ai eues avec le président avant ma nomination au poste de Premier ministre, il m'avait clairement fait comprendre qu'il n'était pas satisfait de ce qui se passait dans notre pays et qu'il avait un rêve pour Haïti et pour le peuple haïtien. Pour lui, il était impératif de satisfaire les besoins essentiels de la population et de consolider les bases de notre démocratie malade. Yon l'autre fois encore, Premier ministre Tonef l'a condamné avec dernier rigueur crime ça qui pague un nom et qui laisse un gros vide dans la famille avec toute République là. Nous condamnons avec la dernière rigueur ce crime inqualifiable qui laisse dans le deuil sa femme, ses enfants, sa famille et la République tout entière. Ceux qui ont renoué avec cette pratique barbare devront payer de leur forfait. Le pays a traversé une situation malouque dans tout sens. Dans mauvais pas ça, gen yon bataille tout le monde d'accord sous li haïtien, femme kou garçon, gen responsabilité pour mettre tête ensemble pour nous sortir dans sa nuit là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre trouver des solutions conduisant à des changements durables en posant l'exclusion comme préalable. C'est pourquoi, comme je l'ai exprimé dans mon adresse à la nation, dans les jours qui viennent, je vais recommencer mes rencontres avec les représentants des forces vives de la nation en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. Une mission prioritaire gouvernement, ça, c'est rebâtir la population en confiance et puis établir bonnes gens en condition pour l'ordre et la sécurité retourner dans le pays. Le Premier ministre dit qu'il prend engagement pour être capable d'acquitter. Mission ça. Nous ne pas mettre en tête nous, on a résolu tout problème pays dans un petit bout de temps, nous gagnons devant nous. Mais avec collaboration tout démocrate, nous avons créé les conditions pour réaliser une bonne élection dans le pays. Pour raison ça, il faut que nous rétablissions confiance, rétablissions l'autorité de l'État. Dans tous quatre coins du pays. Et puis, empêcher Zagolo Rayo continuer d'échapper petit peu. Bon côté PAL, Premier ministre sortant Claude Joseph bat bravo le fait qu'il te prend toute disposition pour éviter pays à te sombrer dans chaos et anarchie après assassinat qui te commet sous président Jovenel Moïse. Nous devons nous enorgueillir d'avoir pu éviter que le pays sombre dans le chaos et l'anarchie. Il le guettait au lendemain de ce crime odieux et abominable. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves. L'autre réaction sur la nouvelle équipe gouvernementale là. D'abord, correspondant nous, Renan Toussaint, tu as parlé avec le sénateur Patrice Dumont. Il y en a 10 sénateurs qui en fonction, qui lui-même rejeté le gouvernement Ariel Henry parce qu'il dit qu'il n'est pas sorti dans aucun consensus. Il y a des partis politiques et quelques organisations de la société civile qui étaient choisies à l'âge ça. C'est-à-dire Joseph Lambert, président Sénat, comme président PIA, et il était proposé Ariel Henry comme Premier ministre. Mais il y a eu un problème, c'est que Ariel Henry était gagné une attitude politique, semble-t-il, qui était obligé, monde qui était et Bali supérieur en tant que national, il a été retiré soutien. Et il se trouve que les retirés soutien, c'est le ça, et qu'on groupe avec Binu, mettait Ariel Henry, Premier ministre. Maintenant,
puisque n'a retourné parce que m'a répondu une question, ça a sorti parenthèse moi fait elle me parlait de binu avec et groupe qui mettait Ariel Henry. Maintenant étant donné que Ariel Henry et le sénateur Lambert ils étaient dans même en temps, mais imaginez que vous parlez ensemble. Vous parlez, puisque vous étiez pratiquement en temps pour une des présidents, l'autre là, et premier ministre. Mais nous-mêmes, en tout cas moi-même comme sénateur, moi pas tendé parole Ariel Henry, sinon que ça le dit dans la radio. Personnellement, je n'ai pas participé à aucune rencontre avec Ariel Henry. Voilà. Et moi, je me dis tout de suite que ce n'est pas conjoncture qui gagne là, son conjoncture de consensus que lié. Ariel Henry n'a pas passé dans aucun consensus, il n'a pas aucun droit pour le premier ministre, il n'a pas aucune provision légale pour lui, pour le premier ministre dans le pays. Comme parlementaire, nous prenons pour. Un citoyen ici accédé au poste de premier ministre, il faut qu'il passe devant deux branches parlement, nous ne connaissons pas les parlements. Qui est-ce que nous avons dit à Ariel Henry, je dis à ce premier ministre, nous avons dit ça tout court? Le premier ministre de fait, parce que ils sont premier ministre de facto. Ces mêmes gens, comme tu as dit, on volait entre la caïne. Ils entre la caïne, ils ont un fusil dans les mains. Et puis, il fait manger, nous manger pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 5 jours. C'est Kaino il y est. Mais Voléa, c'est lui-même qui a dirigé Kaïsa que nous avons gardé, mais nous ne savons pas ce qui a passé là-dedans. Ou bien, nous rentrer, nous qui doit rentrer. Et puis, nous mettre Kaïla à monter, descendre, mais Voléa là. Et. Nous connaissons Mette Kaila, connaissons que si vous faites un petit mouvement, vous allez mourir. Donc, vous jouez de voler. Donc, même Jean Tou, Ariel Henry, les non-allés dans le moniteur, la police connaît celui qui est chef, etc. Donc, lycée, ils ont premier ministre de facto. Et sénateur Patrice Dumont, dans le micro et devant caméra, correspondant nous dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. L'autre réaction. Eh bien, n'a pas allé dans la communauté étudiantine qui yo même tout gèlè yo pas dans ses collés avec nouveau gouvernement. Massado Vilme, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Yo c'est étudiant dans la faculté ethnologie et la faculté droit dans Port-au-Prince qui pas appuyé pour yon ti crasse gouvernement Ariel Henry. Pas en seconde, même gouvernement, ça m'a pas encore capable de répondre avec la crise sociopolitique actuelle, pays à lui-même ni Genad. Et personnellement, je suis en espace, l'installation du gouvernement Ariel là. Je ne sais pas, je fais ce que moi, c'est plus fort machine qui est là, c'est des machines institutions internationales. Parce que c'était ITOI. Par contre, ça monte à clair, bras et communauté internationale, des dos Ariel Henry. Et d'ailleurs, qui dit communauté internationale dit insécurité dans le pays parce que pays a li pas fabriquer zam et moun ki ke be zam dans ghetto yo pa konn parti. Par contre tout ça k'ap sorti dans le pays moun yo konnèl. Par contre tout si gon grain cartouche qui sorti dans le pays moun yo à l'étranger yo konnèl. Par contre chaque grain balle k'ap tire dans le pays là communauté internationale l'en konnè côté le sorti non ça sa pas aucun acteur politique que moun sa yo même y a pas pion dans le pays là pour nous-mêmes comme étudiants, pour nous-mêmes nous dire, nous avons corroboré avec Mounsaïo. Ariel Henry est nommé par un président de facto, un président que le mandat est fini depuis l'année passée. Donc, un président mandat est fini, par exemple, qui a droit pour que l'on nomme ministre. Donc, ça qui est arrivé fait, et nous-mêmes, nous n'avons aucun moment donné, nous n'avons pas entré dans aucune décision illégale, et c'est raison ça qui fait en l'université, nous n'avons aucun apport, nous n'avons aucun appui, nous n'avons avec Ariel Henry comme premier ministre dans le pays. Pour un membre collectif 7 juillet, Réginal Gideon, qui s'est étudiant dans la faculté de droit, annoncé un levé campé dans le jour qui vient contre le gouvernement Ariel Henry. Gouvernement ça, nous-mêmes, organisation de la société civile, nous ne reconnaissons pas. Et nous demandons à la population, à partir de lundi qui vient là, nous demandons à toute population de lever campé pour barrer la route avec le gouvernement ça. Pour barrer la route avec le complot ça qu'a fait contre la majorité. Contre jeunes garçons, jeunes femmes en deux pays. Nous demandons pour lundi ça, tout le monde qui est dans la capitale là, rejoignez-nous dans la faculté de droit. Nous décidons de lancer la bataille là. Il y a un groupe qui décide de faire un complot
contre classe qui pipovio pour gaspiller tirer sirété ya. Pour que clock qui pas d'accord parler dans micro avec devant caméra nous quoi. C'est un dialogue haïtien avec haïtien qui capable résoudre crise pays a connait depuis un bon bout de temps. Nous devons rappeler tout, c'est président Jovenel Moïse qui était nommé docteur Ariel Henry pour venir remplacer monsieur Claude Joseph comme premier ministre dans date 5 juillet passé avant les examens. T'après la rentrée la Kaili assassiné le 7 juillet 2021 passé. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcelo Vilme pour la Voix de l'Amérique. Merci, Masiado Vilme. Et réaction favorable, secrétaire d'État Anthony Blinken, sous nouvelle équipe gouvernementale, là, à travers une déclaration département d'État publiée mardi 20 juillet 2021. Une traduction, Lionel Demarat. Annonce un gouvernement d'unité dans le pays d'Haïti. Les États-Unis bien accueillis et font l'idée politique Haïti a fait pour mettre tête ensemble et puis choisir un premier ministre provisoire avec un cabinet ministériel d'unité pour préparer un chemin pour avancer après assassinat odieux, assassinat éphraïque Jovenel Moïse. La formation gouvernement provisoire, ça, c'est un pas positif et nécessaire sur route pour satisfaire besoin peuple haïtien et puis commencer à rétablir institutions démocratiques en Haïti. Les États-Unis, ensemble avec la communauté internationale, encourager l'idée dans le secteur politique là, avec la société civile là, en Haïti pour travailler ensemble, pour lancer un dialogue élargi et inclusif qui satisfait besoin des haïtiens et puis jeter base stabilité avec prospérité à long terme. Nous toujours un engagement pour nous supporter enquête gouvernement haïtien à mener sur l'assassinat de Jovenel Moïse là, pour nous renforcer effort concernant la vaccination contre COVID-19 là, pour nous travailler avec la police nationale d'Haïti là, pour nous faire promotion sécurité à l'état de droit. Et puis, en coordination avec la communauté internationale, là, pour nous faciliter les conditions nécessaires pour les citoyens haïtiens participer dans l'élection aussitôt que ça va possible. Nous lançons appel aux haïtiens pour nous demander de travailler ensemble pour maintenir la paix et nous pourrons continuer à appuyer les peuples haïtiens pendant la fait gros effort pour bâtir un pays stable, prospère et démocratique. Non, États-Unis, c'était réaction secrétaire d'État Anthony Blinken sous situation en Haïti à travers une déclaration du département d'État publiée mardi 20 juillet 2021 avec interprétation traduction Lionel Demarat. N'a prêté aux États-Unis avec Sandra Lemaire, Kabbanou, Konya, position Nations Unies sous demande autorité haïtienne noté fait pour États-Unis avec Nations Unies voyer troupes en Haïti pour protéger quelques infrastructures. Sandra, qui dernière nouvelle qui sortit dans les Nations Unies sous question? Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. Donc, il y a un journaliste aujourd'hui qui posait question. Il dit que il connaît que le secrétaire général des Nations Unies recevoir une lettre de côté Haïti, côté Haïti mandé pour voyer une force sécurité dans le pays pour aider à établir plus de sécurité. Donc, qui côté y est avec demande ça? Est-ce qu'on prend une décision? Donc, d'après porte-parole Nations Unies, secrétaire général a réfléchi sur ça toujours, mais il dit que faut que c'est Conseil sécurité Nations Unies qui approuve une force comme ça pour que l'y entre en application. Il dit que Conseil sécurité a beaucoup fait ça, il y a pour discuter sur ça et prendre une décision, mais il dit que en attendant, ça que y a fait pour aider Haïti avec situation sécurité, c'est que y a coré, m'a cité parole, y a coré responsable en Haïti cap et travaille sous question sécurité. Journaliste en dit que Kounyela et gagné un nouveau premier ministre qui réaction y a pour y dire sous ça. Porte-parole Nations Unies en dit que secrétaire général féliciter Haïti pour un transfert pouvoir pacifique entre Premier ministre Ayan avec Premier ministre désigné Ariel Henry. Donc, et l'autre question que vous posez après ça, c'est que la demande qui est faite pour force sécurité a été sortie à bon côté Claude Joseph. Est-ce que Ariel Henry peut gagner pour lui écrire une nouvelle lettre pour faire une nouvelle demande? Nations Unies répondent que yo même yo travaille avec gouvernement. Donc yo considéré que demande qui faite en bas et Claude Joseph là,
c'est une demande gouvernement haïtien, mais il dit que bien entendu, si Premier ministre Ariel Henry veut faire une nouvelle demande ou bien changer de mandat, et il a fait ça, mais il dit que demande que yo gagne en main yo kounye là, c'est devini joignyo à travers mission permanente Haïti dans Nations Unies, donc li valable jusqu'à ce que Premier ministre Ariel Henry a décidé autrement. Jacqueline. Merci Sandra Le Maire qui tape banon dernier position organisation Nations Unies et sous question et sous demande que docteur Claude Joseph qui était premier ministre à une époque là t'ai fait pour t'avoir troupes en Haïti il t'ai fait demande là by Nations Unies et by les États-Unis. Une autre fois encore merci Sandra et n'après parler de immigration haïtien yo même gens ak immigrants l'autre pays utilisé territoire pays Guatemala comme point de passage pour entrer aux États-Unis sans document légal. Et nouvelle fait connaître que Institut Migration Guatemala déporté plus fort haïtien qui arrivait sous frontière sans visa. Et Jean-Aubert Philippe te suit pour nous et question ça. Jean-Aubert Philippe parle avec nous. Effectivement, Jacqueline, programme ça, son programme que l'ancienne administration et Trump-là te mette sous pied depuis le renseignement, elle est en pile d'immigrants qui tapent sur plusieurs côtés. Dans l'Amérique centrale, elle a débarqué au Mexique, a pu chercher d'entrer aux États-Unis. Cependant, l'autorité de Guatemala a eu un problème parce que les États-Unis ont identifié trois pays après le définition de l'entente avec le Mexique pour que tous les immigrants qui ont demandé asile aux États-Unis pour que soient allés, soit dans Guatemala surtout, pour que soient allés tant. En attendant que l'autorité américaine prenne une décision sur. Eh bien, l'autorité guatemalteque, surtout le service d'immigration, elle est en moins que parce que la quantité d'immigrants qui ont débarqué la Cali, surtout haïtiens, qui viennent la Cali sans visa, eh bien, posent un problème la Cali que le PAC a supporté. Ils identifient une série de zones que les haïtiens ont passé en bas fil pour qu'ils arrivent en Guatemala. Et là, ils arrivent sans visa. Et ça qui pose un problème et qui veut les lois sur l'immigration dans Guatemala. Parce que le groupe haïtien, ça ressemble à pas fait considérer pas en considération que l'ancienne administration a été faite. Donc comme ça, le service d'immigration est obligé de déporter haïtiens Sayo en Haïti ou de côté de sortir. Donc ça qui pose un sérieux problème et que l'autorité a demandé qu'on y a pour que jeune solution avec l'immigration. On a rappelé que jeudi à Guatemala représente un pion dans l'enchaînement parce que c'est comme un pays tiers qu'on y a côté administration demandé. Tout le monde qui a demandé asile aux États-Unis, surtout sous frontière États-Unis, bien pour que retourner, aller dans Guatemala, Altan, non. Avec le grand triangle qui était formé, et triangle ça que vice-président Kamala Harris même, c'est censé être qui responsable dossier ça, et n'a pas de Honduras, Guatemala, avec Salvador, et bien tout le monde qui a demandé asile aux États-Unis, et bien il faut qu'il y ait dans un pays tiers, surtout dans Guatemala, pour y aller, et l'administration américaine investit, nous sommes l'argent pour assister mon en attendant l'immigration américaine qu'on est, qui ça l'a fait avec mon examen, Haïti, ça a eu une posant l'autre problème encore, parce que pas un visa, et vous voyez les lois sur l'immigration, et Guatemaltèque, et Jacqueline. Et Jean-Robert, nous n'a pas répété encore parce que nous t'es signalé déjà, c'est pas seulement haïtien, c'est tout bon qui sont en Amérique centrale là, Caraïbes là que y a déporté la caillou depuis arrivé sur frontière sans papier légal ou bien sans visa. Oui, définitivement, c'est ça même parce que on imagine yo joine même monde qui sorti en Afrique qui vini qui infiltré dans un groupe là et qui gagne les mêmes faire passer pour monde qui sorti en Amérique centrale là et qui sorti dans Caraïbes là et qui tant que sorti en Haïti surtout si on parle français. Mais son gros problème dit poser aujourd'hui et question ça lié met en question encore pour ce système d'immigration rapport que républicain par exemple, yo été lagué, yo reproché administration Biden là comme il était responsable quand flot immigrant cap débarqué frontière et que l'administration Trump-Land lui-même essaie de résoudre, mais il y a allé sans que le parti en mette en fin, excepté que l'administration Biden lui-même lui désigne vice-président Kamala Harris pour que lui travaille avec autorité dans trois pays sérieux pour voir dans quelle mesure il est capable de diminuer le flot immigrants qui ont sorti de leur côté et qui voulaient venir chercher une vie meilleure, venir demander asile aux États-Unis. Merci Jean-Robert Philippe et République et c'est un coup. Et président Joe Biden dit mon bienvenue vini et n'a quitté immigration pour le parler Jeux Olympiques yo membre équipe volleyball masculin américain testé positif pour Covid-19
D'après chaîne télévision NBC, c'est le premier athlète américain qui était supposé participer dans les Jeux Olympiques été Tokyo 2021 qui testait positif pour le virus. Là. Nous allons rejoindre encore Sandra Lemaire pour plus de détails. C'est pendant le week-end, non, il a été détecté que Taylor Crabb a eu le coronavirus. Là. D'après chaîne télévision NBC, frère monsieur, qui est Trevor, déclarait que c'est un bagage terrible que Taylor pas capable de jouer. Frère a dit monsieur en bonne santé. Il y a deux membres équipe gymnastique féminin américain hein, qui testaient positif pour coronavirus là tout avant ça, mais il n'y a pas parmi athlète principale équipe là. Ti mesdames sayo pap participé nan jeu yo d'après chaîne télévision NBC. Yon porte-parole Jeux Olympiques ak Paralympiques États-Unis pat répond demande Reuters fait pour le faire commenter sous question ça. Jeux Olympiques Tokyo yo qui supposé commencer vendredi a déroulé en bas conditions le monde poko janmwe avant. Parmi restrictions yo gen mesures serré pour empêcher COVID-19 la propager. Quand même, il y a déjà enregistré plusieurs cas COVID parmi athlètes avec l'autre monde qui travaille sous Jeux Olympiques. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire et c'est avec le dernier reportage ça sous les Jeux Olympiques Tokyo que nous avons mis fin dans le programme. Et merci pour attention, merci pour fidélité. Et puis, n'a pas été positif, n'a pas gardé le sourire. Et yon protège l'autre, nous kontakounou dil, mas mwen protège, mas ou protège. Et n'a pas remercié l'autre collègue qui a participé dans la réalisation du programme ça. Lionel Demarat, nous considérons comme chef pupitre. Et c'est lui qui a présenté nous position au gouvernement américain à travers la traduction qu'il a fait de Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. Et puis, Franklin. Et welcome back, et Zami Haïti, et puis Abdel Rahman, et puis tout l'autre collègue. Moi, c'est Jacqueline Belizère, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, cap souhaite nous passer une bonne fin de journée, et puis n'a pas cassé rendez-vous pour demain. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Moi, tout merci parce qu'on t'a suivi avec attention, et merci pour fidélité ou patience. Moi, pour aller, m'a quitté au bras, papa, mon Dieu, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, bah, ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a pas croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, ciao, ciao. M'ramasse paquet moi, cause habitant pas misé la ville. M'prale. Mais m'a quitté na bra papa bonji parce que c'est lui même seul qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'ap croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.